Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ici à Disneyland Paris pour le début de la saison de Noël. Alors, au début de la journée, il a commencé à pleuvoir. Je vous avoue que c'était catastrophique. On espère qu'il ne va pas repleuvoir de la journée. Et aujourd'hui, on est avec les copains. Eh, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? C'est incroyable, Maxime, je peux pas le croire. Et je suis très content, tu sais pourquoi? Parce que tu m'avais pas manqué. Garce, petite mise au point quand même, parce que les gens pensaient qu'on était fâchés. Bah oui, mais pas du tout. Mais c'est juste qu'on est à... Mais monsieur, l'agenda là. L'agenda, c'est... Impossible. Tu pars en Floride, je pars en Floride juste après. Tu reviens, je suis pas là. C'est vrai. Je viens, t'es pas là. Bah c'est la vie, c'est comme ça. Ça me fait trop plaisir, Max, et bonjour à tous. Voilà, bon. On va passer un bon petit week-end. On va découvrir la saison de Noël. Exactement. Donc on va profiter. Let's go, c'est parti. Oui. Voilà, déjà on passe au niveau du petit village qu'ils ont installé à côté de It's a Small World. Et c'est blindé de monde. Les gens viennent prendre leur petit vin chaud, leur petit pain d'épices, leur petit truc de Noël. Et évidemment, de toute façon, qu'est-ce qui marche le mieux en général dans les parcs d'attractions? C'est la bouffe. Donc dans tous les cas, bah, vous dites à des gens, vous avez la possibilité de manger dans plus d'endroits différents. Et bah forcément ça cartonne. Ça c'est souvent, je le dis, hein, de toute façon, Disneyland Paris devrait avoir plus de points snack ou autre pour justement avoir plus d'offres, ça aurait été plus intéressant. Oh, bah Tiana. Voilà Tiana qui passe par ici, c'est mignon, c'est gentil. Bref, donc du coup là on cherche à voir si on peut pas faire une petite photo avec un personnage aujourd'hui quand même pour célébrer la saison de Noël correctement. Et puis après on va aller voir pour faire les différentes activités de ce week-end. Guys, quoi? Vous saviez qu'il y avait Stitch? Moi je savais pas. Non, mais il était là l'année dernière. Oui. Au niveau du créneau là-bas. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui. J'ai un défi. C'est quoi un défi? Je me dis, allez, on va agrémenter. On va la cette saison de Noël. Tu veux quoi? On va trouver une nouveauté. C'est quoi le défi? Le défi c'est vidéo un peu, tu vois, un peu smiley, tu vois, un peu. Mais c'est vidéo smiley depuis le début. Ah oui, non, mais tu vois. Je veux pas. Attends, parce que. Bon, pour le moment, les potes, on est en train de faire un petit peu le tour. On vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour le moment, c'est très compliqué. Les personnages sont tous complets. Les spectacles, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de monde. La food également. Donc pour le moment, on est en train un peu d'errer dans le parc à trouver un objectif. Là, on est du côté de Frontierland pour essayer de voir s'il y a peut-être Jack en perce-oreille, ce serait vraiment cool. Parce qu'on voit qu'il y a du monde, donc il doit y avoir un personnage également ici. Donc à voir, mais c'est pas évident, le premier jour de Noël, il n'y a pas tant de choses que ça, enfin c'est... Mais on a... Stéphane, on a dit... On va trouver des positivités, ouais, good vibes. À cette saison. Good vibes. Vous savez quoi? On est un peu sur la même lignée d'Adeline. Ah, il n'y a pas trop de monde. Vous savez, tu sais quoi? Oui, dis-moi. Dans tous les cas, on est good vibes. À fond. Voilà. Déjà, on est super content. Moi, voilà. Je suis super content de te voir. Mais oui. Et on va tester les snacks aussi, hein. Vu le monde qu'il y a, je pense qu'à 14h, il n'y en a plus, hein. Il y a un menu au Lucky. Oui, non. Non. Lucky, il est fermé. Ah, pardon, il y a un menu à Hyperion. Il y a un menu à Hyperion, déjà, pardon, excusez-moi. Et il y a un menu. À Annette. À Annette. Bon, c'est déjà ça. Oui. Ah. Est-ce que c'est. Je sais pas si c'est une nouveauté, mais en tout cas. Non, allez, restons. Ça va être chouette. Non. En vrai, ça, c'est cool, c'est Noël. C'est ça. Allez, on va aller voir. On va aller voir si Perceoreille est là. Voilà, c'est mes voilà. Good vibes. Je vous promets good vibes. Après, si à la fin de la vidéo, on vous dit les quatre vérités, c'est autre chose. En vrai, vous savez, de toute façon, on est sur la déconnade, hein. C'est comme ça, on est toujours comme ça, nous. Mais c'est vrai que là, il fait froid, il pleut, il y a du monde, c'est pas évident. Mais on savait, hein, de toute façon, début de Noël, forcément qu'il y a du monde, donc voilà. Donc là, on essaie de voir pour Jack. Ensuite, on va essayer d'aller manger, voir le spectacle qu'il y a, vous savez. Chantons c'est Noël, là je sais pas c'est quoi, mais vous savez c'est la vidéo police, enfin comme chaque fois en fait. Je sais pas c'est quoi, mais c'est comme d'hab. Et puis après, peut-être qu'il y a une petite surprise d'ailleurs au niveau de Star Wars pour Space Mountain, enfin à côté, à voir, Star Sport plutôt. Donc à voir, rien de sûr encore. Mais bon, de toute façon, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, enfin avant-hier, il y a beaucoup de choses à faire justement cette saison de Noël en vrai, que ce soit la food, que ce soit les restaurants, etc. Donc vous inquiétez pas. Il y aura du contenu, c'est sûr.
Mais là aujourd'hui c'est la découverte, on découvre tout ce qu'il y a à faire. On va faire un petit Meet Mickey. Non j'allais dire nouveauté de Noël, non, pas du tout. Non parce que depuis tout à l'heure je vous avoue on tourne en rond, c'est pas quoi faire. En fait à l'époque là il y avait alors, Mickey alors, Père Noël, en fait, mais bon. J'ai appris une chose, dis-moi, on sait pas, peut-être que c'est faux, mais peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. C'est quoi? Mais visiblement les vraies festivités commenceraient dans une semaine en fait. C'est ce que j'ai appris. Enfin, en fait la semaine prochaine il y a un press event. Donc du coup on a la supposition que... Non mais en vérité il y a un problème, pour moi là ça a pas commencé encore Noël là. Bah, là pour le moment vous avez la parade de Noël et vous avez le show à Videopolis. Et le show à Videopolis chante en Noël. Mais l'ambiance, l'animation elle est pas encore là. Alors comme il y a un press event la semaine prochaine, beaucoup pensent que c'est peut-être à ce moment là que ça va réellement commencer. Castle Stage là, c'est quoi ce nouveau... Je sais pas, peut-être un nouveau show, peut-être un truc, un petit happening, je sais pas, à voir. Moi je pense que si vous venez plutôt vers, voilà, 18-19 décembre, novembre pardon, décembre. Novembre. Novembre, ouais, ça pourrait, enfin là je sais pas, c'est un petit peu léger encore. Après on a pas encore testé la food. Non c'est vrai ça. On va aller tester le burger d'Hyperion, on ira voir. Mais du coup on va aller voir Mickey, oui. Toi qui es fan de potage, il y a un potage. Il y a un nouveau potage, oui. Oui, au merveilleux, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, j'ai vu, c'est vrai qu'il y a un potage. Bon bref, on va aller faire Mickey parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le patron. Et on va lui dire deux mots à celui-ci. Bon, il y avait plus d'une heure d'attente. Bon, finalement, il n'y aura pas de Mickey. On était si heureux d'aller voir Mickey. Regarde. Non, good vibes. Alors, ça fait 3 heures que je suis là. On n'a rien fait. Foutu, et je suis occupé déjà de décomposer. On a bu un café, on a bu un café. Cette saison de Noël, franchement. Elle est belle, elle est belle. Non, arrête. Après, les gens, smile, ils vont dire, smile, après, les gens ils vont dire que je critique tout le temps. Non. On va les manger. On va aller à Hong Kong aussi. Aussi, et à Shanghai. Mais ça, bon. Et on va aller manger. Ouais. J'ai beaucoup d'espoir sur le burger de. Testons ces nouveautés food. Ouais, voilà, testons, bien sûr. Oui, exactement. T'as vu, il y a des nouveaux sablés? C'est pas vrai. Ah oui. Je peux pas. Non, mais. Maxime, en on vrai, est dans Fantasyland. En vrai, on a de la chance d'être à Disneyland Paris. Mais regarde Fantasyland. C'est beau. Alors qu'à Orlando. Mais comprends. Ah ? Moi j'aime bien quand même. C'est vrai ? Ah j'aime bien. Ah non, on a un plus beau Fantasyland. Alors attends, d'accord. Monsieur Alex Topia. On a un plus beau Fantasyland. Il me dit on a un plus beau Fantasyland. Ah oui. À côté, Orlando, c'est pas beau. Ça c'est vrai. Hein. Je suis d'accord, mais comme on a dit avec Alex, on aime bien se balader dans Magic Kingdom, même si c'est pas le plus beau bien départ. Bien sûr. Après, c'est l'ambiance américaine. T'as l'impression que t'es dans un film américain. Ce qui me manque ici, c'est les artistes, les chanteurs a cappella, les bandes. Tout ça a disparu depuis le Covid, mais pas aux États-Unis. T'imagines, regarde, je te jure, c'est vrai. T'arrives sur Main Street et t'as un band qui est là. Jingle bell. Ah oui. Jingle bell. Oui, jingle c'est pas bell. Grand. Non, mais en vrai, je te jure, mais c'est un charme. Mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Bref, on est smile. Oui, exactement. On va aller tester les nouveautés. Ah, let's go. Si, oui let's go. Allez, on y va. Ah, oui. Hein, voilà. Bon, allez, on va aller faire un petit coucou à Jack Skellington qui est juste là en perce-oreille. Donc, au moins, on va faire quelque chose. Wouh. Le Père Noël. Dites-moi, comment se passe la journée? Mais très bien. Très bien. On est ravis de te voir, Jack. C'est vrai. Mais oui. Bon, je suis ravi de me voir. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui? Manger après. Oh là là, manger, ils ont tous prévu de manger aujourd'hui. Noël. Mon Dieu qu'il est moche. Regardez, ce qui est incroyable, c'est qu'il est rotatif. Voilà, je peux le changer de côté. C'est la nouveauté de la saison. Et voilà, on l'a trouvé. Vous avez bien. C'est bien, c'est beau. Oui, et tous ces cadeaux, regardez. Mais bien ça. Sûr. C'est pour moi, c'est pour moi. J'adore, là, il y a des petites têtes de Jack. Moi, bien sûr. Regarde. Oui. Dis-toi, est-ce que quelqu'un veut faire des photos ici? Ah, si, avec moi. Incroyable. Bah merci beaucoup, c'est super. Merci. Bon bah écoutez, on a fait une bonne petite rencontre avec Jack Skellington en perce oreille, c'était vraiment super sympa. On a passé un excellent moment donc voilà, il a dit Jack voilà, c'est la chose principale à voir de la saison de Noël. Bon bah c'est vrai que pour le moment vu qu'on a vu que lui, bah honnêtement, il a pas tout à fait tort. Bah allez, maintenant ce qu'on va le faire, c'est qu'on va direction Hyperion pour aller manger le menu de Noël. Donc let's go, on y va. Bah voilà le menu de Noël. C'est à la truffe, ouais. Bah alors, là, ils viennent de le sortir du chaud. Si vraiment c'est froid, non, ça va, c'est chaud. L'année dernière, il était froid, tu te rappelles? Ah oui, c'était la raclette. Par contre, je suis désolé. Hein. Moi, il y a un truc, j'en ai marre, je le dis. C'est quoi cette organisation? Rien ne va. Vidéo. Non, mais rien. Oui, good vibes. Ah non, c'était trop bien. Génial. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je regarde. Il est où? Elle ouvre la truffe, elle est là? Bah, la truffe est dans le fromage. On va tester ça.
Bon allez, vous savez quoi? Moi je dis souvent, pour savoir si c'est bon, faut goûter. Ça va, ça passe. It's cool. Mais mais par contre la truffe, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais... Bah normalement oui. The cheese, yeah. And the cheese. Ah, you don't like en vrai, it? Ça va. En fait, ça me fait penser à quoi? Je peux vous dire. Même un burger McDo, il est plus travaillé, quoi. Vraiment. Burger McDo est plus travaillé. McDo, c'est génial. Je m'étais promis de faire avec Maxime en plus. Je me suis dit, allez, on va... Non, vraiment. Je m'étais dit, tu vois, on va... Positif, quoi, saison de Noël, machin et tout. Vous savez quoi? J'ai l'impression de bouffer de la pâte. De là? Une boule de pâte. Je mange de la pâte. Mais ça manque un peu de sauce. Ça bah, manque en fait, un peu de sel. C'est un peu sec. Un peu c'est Attends, déjà que c'est pas mon resto préféré. Non, c'est vrai que c'est vrai que alors le cadre. Excusez-moi, mais alors là mais le spectacle, spectacle va démarrer. Ça, en vrai cool. Par contre, c'est bien. Ça c'est une bonne chose, mais c'est que 17 euros. Ouais. Et il y a plus de dessert. J'aime pas. Non, 17 balles pour ça, il y a plus de dessert. Et pourtant, franchement, je m'étais dit allez, super et tout, machin, on va Non, j'ai l'impression de manger de la pâte. Et ce soir, Shino Light. It's cold. Mine's cold. Ouais, bon allez, mais la bonne chose, Max, la bonne chose, c'est qu'il y a le spectacle, ouais. Chantons Noël, ça c'est plutôt cool. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien, allez, bon appétit, on se dit à ciao. Bon, ça y est, on a fini le miam miam. Bon, c'était pas ouf, hein. Vraiment, je vais pas faire le mec pour 17 balles, ça me fait un peu... Ça me rend un peu dingue le prix, mais bon, hein. Écoutez, c'est comme ça. C'est Disney, on s'y habitue à force. Et puis, enfin, en vrai, ouais, là, le fromage de raclette, ouais, tu sentais un petit goût, il y a encore... Enfin bref, les copains ils ont été faire une petite photo avec Dark Vador. En attendant, moi je vais aller voir le barbeur et puis on se retrouve après. Je sais pas si on ira peut-être faire le Victoria ou autre, je sais pas encore. Excusez-moi pour cette vidéo qui est un peu décousue. Je suis très fatigué, hein, vraiment. C'est pas pour me faire pardonner ou autre, mais je suis vraiment très fatigué aujourd'hui. C'est pas évident avec la pluie ce matin, avec tout ça. Beaucoup de monde, on n'arrive pas à faire grand chose, mais j'essaye dans tous les cas de vous emmener avec nous. Et de passer cette journée de Noël, de début de Noël avec nous. Même si, voilà, comme j'expliquais, toutes les festivités n'ont pas encore lieu. Tous les happenings ne sont pas encore là. Enfin, voilà, on est encore très limité en termes d'activité. J'essaye tant bien que mal. Voilà, bah allez. Go le barbeur, Florent m'attend. No man is all around town. Watch out for rain, these are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. Climb down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree. Hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs we all heard before. As they walk from house to house. To wish. Et voilà, ça y est, je sors du barbeur. Donc effectivement, maintenant, il y a un second coiffeur barbeur. Alors, oui, en fait, il est là que pour faire la coiffure pour le moment. C'est qu'un coiffeur. Donc, pour le moment, il n'y a qu'un barbeur. Et il y a deux coiffeurs, du coup, au niveau du salon du barbier de Disneyland Paris. Bon, on attend les copains qui ont été voir le petit spectacle. Vous savez, Chantons, c'est Noël. Nous, on le verra une prochaine fois, je pense, peut-être demain ou un autre jour dans la semaine. Et puis, bah, en attendant, on va juste chill tranquillement qu'ils arrivent. Là, je vois des gens qui sortent. Donc, bon, étant donné qu'ils sont tout le temps... à la traîne, je pense qu'ils vont être les derniers à sortir. Et puis je pense qu'après on va aller voir Shine a light, shine a light. Listen to your conscience and share for everyone!
Regardez autour de vous. Il me semble que nous pourrions demander de l'aide à tous nos amis réunis ce soir. Faites un vœu. À Noël, tout est possible. Mais ne manque-t-il pas quelque chose? Bon les potes, ça y est, on part du parc. On a pu assister du coup à la parade Shine Light. Qui est une très très bonne parade, hein, vous le savez maintenant. On a pu voir effectivement l'illumination du sapin également. De toute façon, en général, restez dans les alentours en fait, parce que vous enchaînez et la première parade et ensuite l'illumination du sapin, et vous enchaînez avec, pour finir, la deuxième parade. Et la deuxième parade, en fait, si vous voulez, vous avez le showstop au niveau soit du théâtre, enfin du théâtre non, soit du Central Plaza, un showstop avec l'illumination du sapin. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est comme l'année dernière, en vrai c'est la même chose, hein. Vous savez, ça n'a pas changé, mais c'est efficace, c'est beau, c'est une belle parade, les personnages sont géniaux, le char du Père Noël est cool, les princesses sont cool, qu'est-ce qu'on a d'autre également, enfin voilà, la musique, les lumières, non franchement moi j'adore, c'est vraiment de toute façon une belle parade qu'ils ont fait là pour la saison. D'ailleurs c'est drôle parce que les deux parades finalement elles passent de nuit. On les voit toutes les deux de nuit parce qu'en fait elles passent assez tard la première, donc enfin les deux passent tard, donc dans tous les cas on les voit de nuit, donc ça marche très très bien. C'est juste dommage de plus avoir la version de jour peut-être, je sais pas, mais bon écoutez, moi j'aime bien, je trouve ça joli, donc en même temps c'est une parade qui est faite pour Shine Light, donc s'allumer, donc c'est un peu l'idée. Bon bah écoutez, sincèrement pour le moment cette première découverte de journée, on a dit qu'on était good vibes, donc c'est de la découverte. Pour le moment, on a compris qu'effectivement, tous les happenings n'ont pas encore lieu. C'est très pauvre en activité et en ce qu'on connaît. Après, voilà, comme l'a déjà dit Alex tout à l'heure dans la journée, comme on est entre deux anniversaires, que là, on a mis tout le budget quasiment sur justement la fin du 30e, qu'il y a eu pas mal de choses ces derniers temps avec les drones, les machins, bah peut-être que les saisons comme Halloween, qui étaient très légers, et là, cette fois-ci, Noël, bah c'est également très léger. Donc c'est des choses possibles, c'est voilà, on sait pas. Donc c'est un peu les suppositions qu'on se fait. En tout cas, on n'a pas encore tout fait, donc on va essayer de voir au fur et à mesure, découvrir justement cette saison ensemble. Et on verra tout ce qui est Victoria, le Annette, également le restaurant du Hunter Grill avec la fondue, non pas la fondue, la raclette. Enfin voilà, vous inquiétez pas, on découvrira tout ça ensemble prochainement. Donc je suis désolé, hein, cette vidéo était très décousue parce qu'il faisait froid, il y avait du monde, il pleuvait. Et en même temps, on était un peu en train de faire des allers-retours parce que comme il y avait du monde, on savait pas quoi faire réellement. Donc voilà, je suis moi-même le premier dégoûté quand il y a des vidéos qui sont comme ça et qui sont pas parfaites selon moi. Mais bon, en même temps, vous êtes avec nous pour la découverte et c'est voilà, c'est un peu le but. Parce que forcément, bah, nous-mêmes, on sait pas comment s'y prendre parce que c'est de la découverte. Bref, allez, je vous fais des bisous, à très vite. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater toutes les vidéos de la saison de Noël. Je pense que demain la vidéo sera beaucoup plus efficace parce qu'on va savoir à quoi s'attendre et comment s'y prendre, donc ça sera différent. Allez, bisous tout le monde et surtout n'oubliez pas que comme d'habitude, tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao. Hugging and kissing.